Hey yo les gens, ici Gardon, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, ça va pas être exactement pareil qu'avant, la qualité et tout au niveau de ces vidéos-là pour l'instant, parce qu'il y a quelques soucis de XSplit, donc là j'enregistre avec OBS pour quand même vous sortir du contenu. Par contre du coup sur OBS, c'est la galère, je suis pas habitué au logiciel, donc j'ai pas l'intro, j'ai pas la fin, je suis même pas sûr que ce soit MP4. Bref, mais au moins on va jouer, au moins on aura la vidéo, et ça c'est ce qui compte, je pense que c'est le principal. Bataille en duel, je ne peux pas encore faire de duel justement, qu'est-ce qui se passe? Construisez, non, ok. Jouer, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, l'idée c'était de continuer l'histoire pour ensuite faire des arènes solo justement, on devait finir l'acte 2. Et voilà, chapitre 13, donc on est quasiment à la fin, ça me paraît plutôt good noir. Je pense que j'aurai le temps d'en faire une. Personne dans cette taverne. Ouais, crie pas trop, toi, ne crie pas. Jouer, Vengeur demeure. Ouais, bah, on va jouer ça, on l'a joué qu'une fois alors. Allons-y, hop, on va quand même mettre un peu de son du jeu. Normalement, alors je sais pas si la balance est très très bonne sur. Alors j'aime bien en fait l'effet que ça fait là avec la cam, je pourrais aussi mettre mieux, plus clair. Mais ça me rappelle un petit peu ce qu'il y avait à l'époque pour ceux qui ont connu. Alors attendez, je vais juste décaler un peu la caméra. Ceux qui ont connu Level 1, mais à la vieille époque de Game 1 en fait, c'était ça, il y avait les têtes des mecs en plein milieu de l'écran et tout. Je sais pas, c'est un petit côté kitsch mais très sympa. Ce sont des assassins, des agents du domaine. Oui, on c'est quoi ça? Ce sont des nordiques. Oh! C'est ce qu'on fait pour s'amuser. D'accord. Donc c'est pas moi qui commence, je sacrifie une créature pour infliger 5 points de dégâts à une créature ennemie choisie aléatoirement. Ok, infliger entrave et 1 point de dégâts à une créature. Ok, et détruire une créature ennemie blessée. Non, celui-là je pense que je peux l'enlever pour l'instant. Les autres peuvent être intéressants. Donc on a tous un pouvoir. Ok, c'est très particulier comme intérêt. D'accord, oui. Ou bah elle a rendu tout à fait. Quand une rune est détruite... Quoi? Quand une rune est détruite, infligez 1 point de dégâts à votre adversaire. Ah oui, non, ça coûte 0, très bien, ok. Super. Super, du coup, 0, je peux faire ça, voilà. Ok, infligez 3 points de dégâts à un ennemi choisi aléatoirement. Ou alors, je peux peut-être essayer de poser ça directement. Ouais, non, il va me le tuer, ce serait pas intéressant. Non, bah ça. Parce qu'en effet, j'ai pas vraiment d'intérêt à mettre n'importe lequel autre. Même celui-ci, parce qu'il me l'aurait tué, il a 2 points d'attaque, donc bon. On va rester là-dessus, c'est un peu plus cool comme truc. Alors, la tête, faut peut-être que je la décale encore un tout petit peu, juste, voilà, que vous ayez bien tous les boutons. Mais j'aime bien ce truc. Alors après, pour l'affichage en plus grand, ça a l'air d'être un peu la galère. C'est pas... OBS, alors OBS est un très bon logiciel, hein, beaucoup de gens l'utilisent, mais moi, je suis pas habitué, en fait. Là, j'ai pas de deux côtés, c'est assez drôle, d'ailleurs. Ah, j'ai oublié d'utiliser le... Vraiment, j'y pense à ça, hein, parce que c'est vrai que ça coûte 0. Charge, bah vas-y, tape-moi, tape-moi. Oh shit. Ah, me tape pas, me tape pas. Sacrifier une créature, ok, ombre brisée. Ok, bah dans chaque rangée, mais avec une seule rangée, du coup, c'est un peu naze. C'est un petit peu naze ça. 3 points de dégâts. Ah oui, d'accord, ça se fait tout seul, tout simplement. Alors, quand invocateur breton perd protection, invoquer un autre Onash. Ah oui, ok, donc ça je peux pas le faire tout de suite, quoique. Quoique, quoique. Non, on va faire ça. On va l'invoquer dès maintenant. C'est moi qui contrôle. Et ça reste cool. Lui, il peut taper celui-ci au pire. Hein, ça reste tout à fait cohérent. Il pourra le tuer au prochain tour. Ouais, on va faire ça. Ça, j'ai pas envie de sacrifier de créature. Quoique. Le problème, c'est que si je sacrifie elle et qu'il fait sur lui. Enfin, qu'il fait sur lui, c'est intéressant. Si c'est sur lui. Allez, on va essayer. Aléatoirement. Non! C'est nul. C'est nul. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Fallait essayer, hein, si j'essaye pas. Bon, on a la Tronache maintenant qui a garde, ça c'est cool. Et bah, là par contre, il va avoir un gros bonus, c'est pas ouf. 3 points de dégâts ennemis choisis aléatoirement. Bah, ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup d'ennemis donc. L'ennemi aléatoirement, ça reste extrêmement intéressant pour moi. Allez, bim. C'est aléatoire, mais il y en a qu'un. Ah, c'est quoi? Dernier souffle, j'avais pas vu. Mais non, je suis bête. Sacré une créature. Ah bah, si, ça va être cool. Ah, oh, c'était calculé évidemment. Piochon éclair enflammé. Non, regardez, on va sacrifier ça. Et là, pouf, ça va être sur lui automatiquement. Ah non. Oh, ça, ok. J'ai pas vraiment anticipé ça. Infliger 3 points de dégâts à un ennemi choisi à la tourment. C'est dernier souffle encore. Bah ouais, mais bon. Ça m'arrange pas des masses. J'ai pas besoin de plus. Bon, c'est pas grave, on va le poser. On va taper ses HP, il a pas de garde. Et puis voilà, on va pas essayer de sacrifier quoi que ce soit. Ok, super. What? Donner plus de et garde une créature. Ça, j'aime pas. Alors ça, je suis pas fan. Bon, bah, on va faire avec. Hein. Invoquer. Alors, si vous avez plus de points de santé que votre adversaire... Alors, le coût de la prochaine carte que vous jouez pendant ce tour est réduit de 6. Super, génial. Merci beaucoup, toi. Infliger de points de dégâts une créature. Donner plus 1 aux autres créatures alliées.
Ok. Ouais. Quoique ça peut être lui, et du coup après il pourra se sacrifier. Allez, on fait ça. Protection du marché. Et lui, du coup, va aller se suicider pour ça. Bim. Lui, il suicide pour ça. On a clean board, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai aucun intérêt à utiliser ça. Ok, bon, on va taper simplement. Nickel! Voilà, on a quand même un petit peu clean, on en a besoin, ça fait du bien, c'est cool. Peur, quand une ruine ennemie détruite, affiche un point de dégâts à votre adversaire. Très bien, ok, vas-y. Bah, écoute, fais ce que tu dois faire, ma foi, je peux pas t'aider plus que ça. Hein. Ah, mais attends, j'espère que vous n'entendez pas le ventilo. Parce que du coup, je mourrais de chaud, j'ai mis le ventilo, mais bon, on va espérer que ça ruine pas la vidéo. Hein. Je vais maintenant zapper, saccage. Ah, ok, infliger 3 points de dégâts, gagne 3 points de santé. Ouais. Ouais, est-ce que c'est nécessaire? On peut faire ça. Hop. Ouais. Tiens, frère, qu'un de votre deck. Et attention, peut-être, peut-être. On ne sait pas. Oui. Cool. Et ça, du coup, on va pouvoir le faire. J'ai 2 points de dégâts à une créature. On peut faire ça. Est-ce que je le ferai pas direct? Alors, attendez. Parce que j'ai aucun intérêt de faire ça. Je peux lui faire perdre 4 HP. L'avantage, c'est que je peux la finir avec elle. Ou alors, j'attaque directement ses points de vie. Parce que je peux pas taper ça directement. Eh ouais, je peux pas. C'est vraiment dommage. Elle a pas garde. Non, bon, on va juste taper ses HP. On va juste clean un petit peu. Hop. Et puis voilà. Ce sera très bien. De toute façon, au prochain tour, il va décéder. Venez vous réchauffer. Soldats, suivez-moi. Ok. Cool. Terminé. Non, c'est la fin de la game. Tchou. Allez. Allez, c'est là, fini. Hop, voilà. Là, je suis en colère. C'est dans quoi, ça? Il y a un personnage comme ça qui fait... Ça doit être dans LOL, hein, je pense. Bon, victoire, c'est cool. J'ai pas regardé ma quête, my bad. J'ai passé un peu vite. Recommence de jeu. Yeah. Des cartes. Très bien. Je sais pas ce que c'est. Intelligence. Ok. Allez, hop. Si ses habitants ne mentaient pas, ah, je vais avoir un choix à faire. La région devrait être proche. Les voilà. Salutations. Je suis Tyr, chevalier frère des lames. Cool. Ils n'ont pas l'air contents de vous voir. D'accord, il n'y a rien d'autre à faire. Bah écoutez, on va continuer ça. Hein. Alors, j'ai peut-être des cartes à rajouter dedans que je viens d'avoir, justement. Donc c'est ça ce que je viens d'avoir. Qu'est-ce qu'on a comme... Ok, on va regarder après. Nouveau. Ah, je suis à 55 sur 50. What? Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que je peux en avoir que 50? C'est bizarre. Aucune restante. Ah oui, non, c'est juste aucune restante. Il n'y a pas de galère. D'accord, et du coup, tout simplement, ça me fait passer sur les cartes suivantes. C'est marrant, puisque ça, du coup, je viens d'en avoir en théorie. Ah, maximum autorisé. Ah oui, vous êtes limité à un certain nombre comme dans le deck. Ok, ouais, bon, comme tous les jeux de cartes, hein, globalement, ça évite d'avoir tout un... Bon, terminé, on verra ça une autre fois sur un GG deck. Pour l'instant, on n'y est pas. Allez, let's go, on va les casser en deux. Gardoum, l'intouchable. Oui, oui, oui. C'était mon beau gosse comme titre. Ils sont classe, les adversaires, je trouve. C'est un petit côté sympa. Alors, lui, il va être intéressant avec garde. Lui, c'est Patria. Oh, il est pas mal aussi. Hein. Ouais, non, tous sont bien, c'est pas grave. Nous n'y retournerons pas. J'aurais ça à mettre au début. Ok. Ouais, non, ça me paraît cool. Allez, hop, let's go. Tac. Votre fin est proche. Ah, les joueurs impériaux. J'aime beaucoup. Enfin, enchaînant. Pardon. Ok. Et ça, c'est une rangée ombrée. Très bien. Faut vraiment que j'y pense, que je fasse attention. Ça coûte 1, ça. C'est bien comme truc. C'est très très bien. Ça c'est un dernier souffle. Piocher une épée, ça peut être intéressant parce que juste après j'aurai lui avec garde. Du coup, si à tout hasard il meurt, ça va être pas mal. On va faire ça. Lui, il peut pas taper l'unité, donc hop, on sera bien. L'entraînement est terminé. Il est temps d'agir. Mais très bien, très bien, très bien. C'est intéressant. Alors, détruire une créature ennemie blessée. Il n'y en a pas encore. Celle-ci a la garde, donc elle va être bien quand celle-ci va succomber au coup adverse. Je peux pas taper. Bon, bah, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Elle est dans l'ombre. C'est pour ça qu'on rappelle le premier tour, on peut pas. Voilà, j'ai le dernier souffle. Hop, l'épée d'acier que je pourrais mettre sur lui. Ce qui me paraît plutôt cool. Parce que du coup, il a comme 4 HP de base. C'est assez intéressant. Oh. Alors, c'est quoi? Invoquer plus 1 et coup fatal, c'est la première carte de
Waouh, c'est un petit peu de la luxe. Est-ce que je ferais ceci et un vous. Ouais, on peut faire ça. Et lui, on va essayer de. Non, on va le mettre là parce que dans tout. De toute façon, il va tuer les deux s'il le tape, donc c'est cool. Je On va suis taper entré directement le là. HP, lui va être forcé de le taper, donc on est bien. On est bien, on est bien. Voilà, évidemment, il a le petit truc en plus. 32e. Vous Pardon? ne pouvez pas me vaincre. Ah, d'accord. C'est intéressant. Vous allez me payer. Oui, je. Non, mais je conçois, d'accord. Hein. Oh, c'est en mode prophétie. Oh, je te chie à la bouche. Ah, mec, on est aussi vénère l'un que l'autre. Ah, oui, non, c'est la double vénéritude. Hein. On n'a pas le droit d'être comme ça. Excusez-moi pour. C'était un peu vulgaire. Sacrifier une créature pour invoquer une. Ça reste worse à la base. Y a pas un truc qui dernier souffle? Ah. Ah, si, voilà, je fais ça. Est-ce que c'est vraiment worse? Ouais, si, quand Ils même. n'ont Parce que, aucune chance regardez. de me battre. En plus, ça, je récupère des HP, j'ai deux cartes et tout. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout comme plan. Lui, on va le tuer par principe. Voilà, ok. Le board est pas mal, c'est à mon Il y a un avantage, plan. vraiment. Il y a toujours. Quand on invoque une créature, très bien. C'est noté. Ok, il invoque une créature là ou pas? Ouais, du coup, il va Quelques gagner 2 ordres. HP. Bon. Ah, pardon, 3. Ah oui, c'est une rangée, ok. Soit je conçois. Chapardage, donc là c'est qu'on va voler des stats. C'est assez rigolo ça d'ailleurs. Je suis content de ça. J'ai pas de créature ennemie blessée donc ce serait dommage de le faire. Allez. On va partir là-dessus. Eux ils peuvent rien taper à part ça. Lui il peut clean board de ce côté. Et on va faire ok. Je suis là pour servir. Oh. Ok, une créature avec garde avec ça serait pas mal. Évidemment, le bon clean, hein, ça semble legit, j'ai fait à chaque fois. Quels sont vos ordres? What? D'accord. C'est bien? C'est bien. Soit. Mais ça devient intéressant, je trouve que les games deviennent de plus en plus intéressantes. À la fin de chaque tour, piochez une carte si vous avez joué deux actions. C'est intéressant ça. Très Vous intéressant. voulez acheter quelque chose? Il est à mes côtés. Attention, attention, peut-être. Non. Peut-être pas. Ah oui, non, faut une mise à mort, machin. Ok. Du coup, chapardage. 4-4. Donc, on va le tuer. On va voler 4-4. C'est bien. Vous l'avez bien cherché. Non, je ne vole pas les stats comme ça. Très bien. Ça ne fonctionne pas exactement comme prévu. Ça doit être quand j'attaque ça directement, je pense. Je peux pas lire chapardage que ça fait. Non. Très bien. Bon, bah, tant pis. Je ne sais pas. Ça doit être quand j'attaque l'HP du mec. Vous ne déjouerez pas mes plans. Ok, l'entrave, ça part au bout de combien de temps? Tuez-les tous. Je ne sais pas. La légion est prête. Ouais, il va falloir que je casse lui en deux. Bon, c'est pas prophétie. Très bien. Bon, déjà, on va faire ça. Yes! C'est bien. Puis on va faire ça. On peut le mettre là directement, lui, hein. Moi il est plutôt free, infliger 2 points de dégâts à une créature, est-ce que du coup comme ça sacrifie lui pour tuer ça? Ouais, après avec l'autre je peux taper les HP, c'est... Attendez, il a pas garde lui. Si, 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 bah si. Ok, on va faire ça. Ah ouais, mais non, mais c'est dommage lui. Non, bah on va faire ça comme ça, j'ai pas de carte qui meurt. Et puis je peux taper à ça directement et j'ai toujours son bonus. Je n'avais plus pensé à cela. Il suicide sa carte au final. La mise à mort va enfin être utile. Dogre en décomposition. C'est dans Skyrim, vous avez beaucoup de Dogres d'ailleurs comme mob. C'est assez rigolo. Embrassez l'obscurité de la mort. Si vous avez plus de points de santé. Ok. Mais il a pas plus de points de santé que moi, donc ça va. Donc, mise à mort. Déjà, ça c'est fait. Donner garde aux autres créatures alliées. On peut le mettre ici. C'est là où ça va être le plus intéressant pour l'instant. Toi, on va te taper. Alors, chapardage. Non, c'est là, chapardage. D'accord, voilà, c'est en tapant les HP du mec directement. Ah oui, inflige dégâts à l'adversaire, ok, bon. Très bien, donc ta carte devient vachement powerful. Plus tu casses l'adversaire, plus tu casses l'adversaire. Worse. Il va falloir apprendre les cartes un jour hein, pour voir ce que ça fait. Parce que chaque fois que je dois lire, c'est assez ouf. Bon, je te casse en deux, mec. Je te soulève. Je te soulève, tu vois. Je te mets sur mon doigt, je te fais la toupie, puis je te jette. Vous
chaparde jusqu'au bout, histoire de booster un peu la carte. Voilà. Regardez, le légat Cassia vient d'arriver. Comment essayer de changer de sujet? Le mec, je lui ai brisé ses orteils. Il change de sujet. Vous pouvez me respecter un peu. C'est passé vachement vite, j'ai dû faire un coup. Oh, j'ai encore un truc à faire. Merci d'avoir réglé le sort de ces déserteurs pour moi, Tyr. Êtes-vous revenu au service de mon frère? Cassia, nous devons parler avec lui immédiatement. L'empereur est horrifié à la découverte du plan de Nahar Iffin. Oui. Mais il savait qu'une attaque sur la cité impériale était vouée à l'échec. Curieusement, le domaine semblait pouvoir prédire chaque mouvement de ses forces. T'es perdu. Notre héros se porta volontaire pour s'infiltrer dans la ville. Alors, notre héros, c'est moi, mais moi, j'ai pas prévu. J'ai jamais dit oui. Eh bien, figurez-vous que Nahar Iffin avait récemment réouvert l'arène. Très bien. Notre héros décida de se faire passer pour un gladiateur afin de pouvoir entrer. Une fois à l'intérieur, Nage la Nuit les mènerait à un passage secret vers la tour d'Or Blanc. Super. Du coup, là, j'ai un nouveau paquet de cartes avec les impériaux. C'est bien. Même si je voulais pas, je l'ai. Ouais, des sous! Des sous! Un anti-carène. Ah, bah oui. Et le nouveau deck, évidemment. Puissance sympa. Oui, bah, c'est pas surprenant. Ok, bah, mesdames et messieurs. Non, ça je passe. Hop. Alors là, on va pas jouer, on va aller dans le menu. Comment on fait? Si je fais ça. Ah non, ok, ça c'est pour rejouer le truc. C'est où? Sélection du chapitre. Je peux pas juste dire menu principal. Et voilà. Arène solo. Je vous fais une petite arène solo dans cette vidéo, c'est le petit bonus. Voilà, normalement la vidéo aurait dû s'arrêter, mais là non. Laissez votre collection de côté pour combattre en utilisant une armée de cartes que vous recrutez. Ok. Utilisez votre ticket arène. Choisissez la classe à jouer durant cette arène. On va y aller avec le mage de bataille. Je vous présente le mage de bataille. Choisissez une carte à ajouter à votre deck. Ok, je dois choisir comme ça. Alors, maître d'armes équipe les deux objets au coût le plus élevé de votre défausse. Ouais, ça peut être intéressant. Fiche des dégâts, fiche un point de dégâts à chaque ennemi dans cette rangée. Mm-hmm. Ça, c'est sale. Non, allez, on va faire ça. Choisissez une autre carte. Et continuez d'en choisir jusqu'à avoir terminé votre deck. Ah d'accord. Oh. Est-ce que je vous ferai pas une autre vidéo pour ça? C'est peut-être mieux. Ouais, on va faire une autre vidéo. Donc voilà, ça va être en deux vidéos. Je suis désolé pour ceux qui vont avoir qu'un bout ici et qui auront l'autre bout après. Ce sera dans la même journée peut-être. Tchou. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, pouce en l'air et partage et tout et tout. Des bisous.